Allez, on cherche pour éteindre l'électricité tout de suite quand on arrive sur les lieux. On laisse Tom et Bill s'occuper d'essayer de faire un petit peu d'éteindre le feu. Et nous, on ouais. fait les survivants, on essaie de tout faire. Hein. Kidak. Au pire, on essaie de casser toutes les fenêtres qu'on peut s'il faut libérer pour la fumée. C'est pas mal. C'est pas mal. On est déjà arrivé. On a un autre. Okay. Une autre intervention. Une belle intervention. Oh. Allez. Waouh. Oh, le toit, il est bien entamé. D'accord, on a déjà une équipe, ça n'a pas été dit qu'on avait une équipe déjà sur le toit. Parfait. Ok, non connecté. Viens avec moi, on fait le tour des lieux à l'intérieur. Ouais. Par contre, on a juste un tout petit problème. C'est qu'ils n'ont pas connecté le camion, Bill et... Ligne. Commence à faire. Regarde. Ah, je le fasse. Vas-y. Vas-y, bah je. Je suis à l'intérieur. Ouah, ça c'est. Oh maman. Oh là là. Ça s'est écroulé devant mes yeux. Waouh. Je suis rentré par une autre pièce. Ah ouais, là j'ai failli mourir. Hey, j'ai trouvé quelqu'un. Ne vous inquiétez pas madame. Je m'occupe de vous. Ouh là, il y a de la fumée sous la porte là, si on ouvre. Je vais essayer de ressortir par là où je suis rentré. Ah, il y a le boîtier électrique. Ok. Électricité. Vas-y. Oh, bien joué. Super important ça en plus. Moi, je ramène la survivante là. J'ai ouvert une porte à l'arrière. Madame, là, c'est bon. Vous êtes pris en charge. Ne vous inquiétez pas. Il y a Jean-Claude Duss qui va s'occuper de vous. Ok, il y a qui s'occupe de quoi là? Ok. C'est bon. Tout le monde est là. Moi j'attaque ça à l'extincteur. D'accord, moi je vais casser les vitres là. Attends, j'ouvre. Ah. Ok. Là, on a un problème là. Je vais ouvrir une pièce. Par contre, venez pas les gars, ça va exploser, ok? Je suis obligé de voir. Ouh! Oh! Papa! J'ai foutu le feu ici! Foutu le bordel? Ouais. C'est bon. Donne-moi ça. Merci. T'es pas assez expérimenté. Pousse-toi. Donne-moi ça. Attends! Oui, non. En pleine mission. C'est bon. C'est d'arranger mon petit souci de feu là. Ah, j'ai pas pris en compte ce petit détail. Oh là là. Ah, j'ai perdu deux sourcils. Éteins le toit. C'est passé. Ah, ça va être compliqué. Là, on est sur un feu vraiment. C'est chaotique. Ah, ça a attaqué le plafond. C'est bon, je commence à maîtriser le feu. Ah, j'espère qu'il y a personne hein, qui est mort là.
Ah, j'ai pas envie de retrouver un corps, je vais être traumatisé. Je vais devoir avoir un psychiatre après là. Oh, tout sera mieux. Là, j'ai vu un psychiatre pendant 6 mois parce que ma femme m'a quitté. À cause de mon métier. M'étonne. Elle m'a trompé avec le boulanger du coin. A fait chier, il lui a mis sa baguette. Non mais Bill, là, faut commencer à travailler, souffle, utilise ton eau. Oh, il y a un feu là. Intense là, je n'arrive pas à éteindre le feu correctement. J'éteins d'un côté, ça reprend de l'autre. Mais qu'est-ce qui brûle? Il n'y a plus rien à brûler. Là, je peux te dire que la facture d'eau là, ça va piquer. Hein. J'espère qu'il n'y a pas des produits dangereux. T'essaies d'éteindre le feu là? Ouais, j'ai éteint une autre pièce qui était en feu. Quand j'ai ouvert la porte, en vrai, il y avait déjà un feu dans une autre salle. D'accord. Là, c'est bon, là, je suis bien sur le feu central, là, j'ai fini. Ouais, c'est trop chaud. J'attaque à droite, hein. Je crois qu'il faut que je ramène un extincteur. Il y a une cuisine qui a pris feu et je crois que ça s'attaque au gaz. J'arrive pas à l'éteindre. Là, ça va, là, on arrive bien. Parce qu'il y a aussi le plafond. T'as vu le plafond comme il est en feu? Mais ouais. Ah, ça va, là, il y a un bon côté là qui est pas mal là. Je suis pas mal là. C'est juste que ça reprend, faut faire un petit peu en bas, un petit peu le plafond. Ah, c'est intense, hein. Je me crois vraiment, vraiment, tu vois, comme en 1172. C'est déjà une bêtise. Je passe devant toi. Vas-y. J'ai la clé de 5 heures. Vas-y. On est sur le feu. Oh là là. Ah, il est intense le feu. Ah ouais, c'est incroyable. Non, ça va, on a gagné quand même du terrain. Donc il a bien réduit quand même. Et il reprend un peu au plafond. Non, on va y arriver. Il y a mon coup des flammes. Non, plafond. Éteignez le toit. Il reste des flammes sur le toit. Juste là, Exter, je commence à la route. Ah oui, sur le toit. Ouh là là. Oh mon dieu. Là, je commence à mouiller un peu encore les braises. Je vais sortir. Ah, c'est compliqué. Le collègue, il a usé 15 millilitres d'eau. Ah, il fait pas grand chose, hein, j'ai l'impression. Non. Je vérifie à l'intérieur que le feu l'a pas repris. Non, c'est bon. D'accord. Incroyable. Ah, quand je suis rentré dans la maison, j'ai vu le toit s'écrouler comme ça sur moi, j'ai eu peur. Hein. Ah. Mais attends. Un problème de feu là, qu'est-ce qui se passe là? Il veut pas. On trouve pas, c'est bon? Enfin. Attends, derrière! Oh, je crois qu'un. Oh là là, mais attends, mais. Ça arrête jamais! Oh! Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Il y a le feu à l'intérieur de la maison, ça a repris! Mais non!
Mais waouh, mais elle saute partout. Oh putain, la maison, elle est détruite. Ah, c'est pompé en mousse, attends. Je crois que c'est pas une bonne chose d'ouvrir toutes les fenêtres en vrai, parce qu'en fait on fait des appels d'air. Ah, c'est surtout quand j'ai ouvert la porte tout à l'heure, mais ça après j'avais tout éteint. Non, mais feu de partout! Qu'est-ce qui se passe? On était. J'ai cru qu'on avait fini! Il y a deux secondes! Ah, faut fermer les fenêtres! Faut ouvrir la fenêtre! Il y a un feu juste là! Non, mais c'est trop! Attends. Ouah, mais ça a tout repris à l'intérieur, mais c'est incroyable. Pire qu'avant. Bon, autant la laisser brûler, on va faire des économies d'eau, là. D'eau, ouais, elle est détruite, là, c'est bon. Mais je comprends pas ce qui s'est passé, mais je crois que c'est les fenêtres. Oh là là, mais on a perdu. Ah, mais vas-y. On a perdu la maison. On a perdu la maison, bien sûr. Là, faut la laisser cramer, là. Non, mais au pire, faut... Voilà, il veut pas, lui. J'entends des drôles de bruit là. On nous tombait dessus. Incroyable. Incroyable. On va y arriver. Le but maintenant c'est d'essayer de faire la maison, on pourra pas la récupérer quoi qu'il arrive, c'est que ça aille pas chez le voisin quoi. Le pauvre là il doit flipper. C'est incroyable. À quel point le feu il se propage. Bon déjà c'est bon. Là on fait tout. Je vais le faire par l'extérieur. Ouais, je vois. J'essaie d'éteindre au niveau de la fenêtre. Vas-y, moi je vise le plafond. Oh, mais non, il y a des flammes qui pètent à la gueule d'un coup. Ah, Bill, il est dans les flammes presque, il est fou. J'ai juste peur que la maison s'effondre sur nous après. Ah, c'est possible. C'est bien possible. Ah, elle a brûlé entièrement. Ah, l'assurance, ça va faire la gueule. Voilà. J'entends des drôles de bruit quand même, ça cracote. Pas mal hein. Ouais, ça t'as entendu. J'espère que les fondations c'est pas de la merde. Du bois. Ouais, touche du bois, ouais. Non. C'est incroyable. Oui, il reste. C'est bon, on a réussi. On a éteint tout le feu. Au revoir les gars. Oh, dans le salon, il y a des effets de lumière, du soleil là, incroyable hein. Maison détruite. L'autre avec son jet d'eau là. Ouais, il fait semblant là, c'est un comédien lui. Franchement, ouais. Il a mal de faire. 13 minutes 32? Mais non! C'est une vraie intervention tout ça? Moyen.
Ouais, c'est bon, casse-nous pas la tête. Oh On a bien bossé, on a bien bossé. mon Dieu, travail accompli, c'est bon. On est tous en vie, pas de blessés, tous un peu fatigués, mais ça va.